Conte à raconter permet de travailler la compréhension et le langage oral à partir de quatre contes. Le loup et les sept chevreaux, Blanche-Neige, Le Petit Poucé, Jacques et le haricot magique. Après avoir lu une ou deux fois le conte, le matériel proposé permet de revoir ce que les enfants ont compris de l'histoire en choisissant les bons éléments de décor et les personnages. C'est l'occasion de travailler le vocabulaire en faisant caractériser aux enfants chaque élément. Parce que c'est elle est blanche. Sa maman, elle est blanche. Elle a la voix douce. Et elle a la voix douce. Il y avait une clé pour avoir la voix douce. Et que le loup, il a une voix très forte. Et elle a une voix très forte, oui, le loup. D'accord, mais pourquoi il veut se déguiser, le loup? Bah, pour les manger. Pour les manger. Pour croire que les chevaux, c'est leur maman. Une boîte à créer, ça sert à quoi la craie? À écrire. À écrire où? Sur des tableaux. Sur des tableaux, d'accord. Il y a un loup. Il y a un loup. Un boulanger. Le boulanger, il travaille où le boulanger? Un meunier. Il travaille où le boulanger? Dans une boulangerie. Dans une boulangerie, oui. Le meunier. Dans un moulin. Il travaille dans un moulin, qu'est-ce qu'il fait le... Il fait de la farine dans le moulin. Le sac de farine. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Sa maman chevreau. La maman chevreau, ça s'appelle comme ça? C'est une chèvre. Alors regardez les illustrations. On regarde là, là. Dites-moi. Il y a une maison. Il y a un puits. Il y a un puits, il y a une maison, il y a un puits, il y a un puits, il y a une maison. Il y a une pendule. Il y a une pendule. Un village. Un village, très bien. Il y a un village. Ah bah oui. Puits. Justement en Italie, j'ai vu un village. Il y a un toit. Il y a un toit. Il y a un arbre. Ça vous rappelle rien tout ça? Si. La maison des chevaux. Il les mange. Il les mange. Tous? Oui. Non. Sauf le petit. Qui va? Dans la pendule. Normalement, il est à l'envers. Dans la pendule. Et après, il fait quoi, le loup? Il cherche. Il va faire sa sieste auprès d'un arbre. Il va aller auprès d'un arbre. Faire sa sieste. Et il fait ça. Sieste. Et après, la maman, elle revient. La maman, elle revient. Elle est tombée, la maman. Donc, il la ramène à la maman, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'il y a plein de bazar. Elle voit qu'il y a plein de bazar. Un poster fait la synthèse des lieux de tous les contes et permet la production par les enfants d'une histoire mêlant les personnages des différents contes.